On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers ! Oh non ! Vite ! Vite ! Que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez. Tiens. Bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurent Tchus. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. C'est pas normal, une fillette et un enfant issu par les gens qui courent. Non, Amicia, ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. C'était quoi ce vacarme? Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. L'enlever ? J'essaie ! Fais vite ! Vite, Hugo, je t'en supplie ! Hugo, il est là ! J'arrive ! Hugo, fais quelque chose ! Viens, Amicia ! Oh ! Je dois m'arrêter, Amicia ! Continue, Hugo ! Encore un tout petit effort ! D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? Ils sont coincés une planche. Tu peux l'enlever? Gobert, mais... Vite, vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Je t'avais dit. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort.
après. Chut, Seigneur, c'est le corps le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! De l'encens. Le même que Mère utilisait. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Au travail, maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors? C'est bien mieux. Merci Clairvy.
Merci pour tout. Qui c'est que vous les avez perdus? Ouais, chut. Ils font pas de vieux os, si tu veux, mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia! Tu mens! Ils ont été tués à la maison! Tous les deux! Alors tais-toi! Menteuse! Menteuse, je te déteste! Arrêtez! Hugo, non! Hugo, attends! Ne sors pas, tu es fou! Hugo, reviens! Oh, c'est pas vrai! Où ils sont? Où ils sont, bordel? Oh non, il va nous faire tuer! Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo! J'aurais pas dû crier! S'il te plaît, écoute-moi! Non! Laisse-moi! Je suis désolée! C'est là que t'es. Non, attendez, on veut juste s'en aller. Tu vas pas. Je voulais pas. De gigoter. On attend juste ta sœur. Oh mon Dieu! Amicia! Amicia! Moi, tu ne m'enterreras pas! Je vais commencer par toi! Hey, obligé de pas faire ça! Non! Je suis juste brouillé! Fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. C'est comme ça que tu comptes me tuer? C'est pas vrai. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Seul. Montre-lui ce que tu sais faire.
je vais t'avoir. Tu comptes te tuer? Moyen de percer son armure. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Un seul. Tu vas devoir faire mieux que ça. Je suis juste un peu rouillé. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Je vous en supplie. Amicia, Amicia. Je suis fatigué. Finissons-en. Amicia, tu l'as tué. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive.
Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Hé, hey, t'as vu? Il y a une fenêtre cassée et une échelle. C'est peut-être une sortie? Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Des enfants? Qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez! C'est dangereux! Vous n'avez rien à faire là! Attendez! S'il vous plaît, c'est important! On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands? Je ne pense pas, non. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger, et puis c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Mon père,
Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Morel, restez ici. Frère Morel, Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non. Oh, oh non !